Eh bien voilà, c'est parti pour ces festivités de Noël du 15 au 23 décembre. Vous allez pouvoir profiter des animations partout dans la ville avec tout d'abord les illuminations qui sont déjà depuis 8 jours en place pour le plaisir des petits et des grands, en commençant par la place de la Vendée qui vient d'être refaite, où vous pouvez jouer avec des jeux interactifs, avec une borne qui vous permettra aussi de faire des superbes photos à La Roche-sur-Yon. Place Napoléon, c'est désormais le traditionnel marché gourmand et le marché des créateurs qui accueille plusieurs dizaines de stands qui sont là pour vous proposer du vin chaud, des huîtres, évidemment du pain d'épices, du foie gras et autres festivités pour Noël, mais aussi le marché des créateurs qui va pouvoir vous présenter les créations de nos artisans locaux pour quelques cadeaux, vous savez bien, les derniers cadeaux de Noël que vous allez pouvoir faire à votre famille. La déambulation, elle se poursuit à travers les rues, rue des Halles, qui cette année a une décoration très spécifique, puisque c'est sa première année de Noël à cette nouvelle rue des Halles. Les deux week-ends qui viennent, vous allez avoir des chants, des chorales, des musiciens, des acrobates, des jongleurs, des danseurs aussi. Et puis avec, en point d'orgue sur le dernier dimanche, un spectacle signé Joseph Couturier qui mettra en valeur les murs de notre ville. Nous serons sans doute très nombreux à venir découvrir ce magnifique spectacle pour le 23 décembre, deux jours avant de fêter Noël ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous de magnifiques fêtes de Noël.